Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui créa le temps et l'espace. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui propulsa une planète dans cet espace. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui donna naissance à la vie que l'on connaît. Et puis, arriva une autre explosion. Mm-hmm.
attendre que la pluie s'arrête là-bas. Je crois qu'ils sont partis. Qu'est-ce qui vous prend? J'ai serré trop fort, désolée. Vos yeux
C'est une allergie chirale ? Alors, vous avez le Dooms, comme moi. Vous avez l'air d'être plus atteinte que moi. J'ai le facteur d'extinction. Quel est votre niveau ? Vous arrivez à les voir ? Non, mais je peux les sentir. Niveau 2, alors. Qu'est-ce que vous faites là ? J'essaie de rester au sec. Tout comme vous. Plus de précipitations. Je m'appelle Fragile. Ouais, je sais qui vous êtes. Tiens donc. Sam Porter Bridges, c'est ça ? C'est vous, l'homme des livraisons. Vous en voulez ? Les cryptobiotes, le meilleur remède aux précipitations. Venez travailler pour moi. Ça doit être un peu compliqué tout seul. Ouais, j'aurais jamais cru que Fragile Express manquait de bras. On a plein de traîtres. Il ne reste plus grand-chose de nous, tout juste quelques gens honnêtes. Et pour couronner le tout, il ne reste pas grand-chose de moi non plus. Tout mon corps a été exposé. Là, je peux rien faire pour vous. Je fais que des livraisons, c'est tout. Un message du central de Bridges. Livreur indépendant, Sam Porter Bridges. Destinataire en attente de colis. Vous vous rendez en ville ? Faites attention. Ils ne disparaissent jamais bien longtemps. Même si les précipitations font vieillir tout ce qu'elles touchent, elles ne peuvent pas tout faire disparaître. Le passé nous rattrape toujours. On se reverra sûrement. Sam Porter Bridges. There must be some mistake.
Marchandise confirmée. Merci.
Longtemps. La légende n'est jamais en retard d'habitude. Foutue tempête, j'ai perdu ma bécane. On dirait que vous avez vu l'enfer. Heureusement, la marchandise est en parfait état. Bon, vous nous avez fait attendre, mais tout le reste a l'air parfaitement en ordre. Alors, excellent. On attend votre prochaine livraison. Pour Sam Porter Bridges, priorité 1. Igor, incinérateur mortuaire de Bridges. Sam Porter, je présume ? C'est vrai. Vous n'êtes pas vraiment du genre tactile, il paraît. Les documents disaient que vous aviez une sorte de phobie. Incinérateur mortuaire de Bridges ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, j'ai pas de temps à perdre, je vous explique en chemin. Allez, venez. Jeter un œil. Le gars a rendez-vous avec l'incinérateur. À quand remonte la mort ? On connaît pas l'heure exacte du décès, mais à vue de nez, je dirais que ça fait plus de 40 heures. Et on l'a pas mis en quarantaine ? Il était pas malade, le gars s'est suicidé. C'est pas vrai. On a de la chance. On n'aurait pu jamais le trouver. On l'a tout de suite mis sur la glace, mais qui sait quand il va se nécroser. Où est-ce que vous l'emmenez ? L'incinérateur le plus proche est au nord. Oui, grouille d'échouer votre itinéraire. Vous pouvez pas en prendre un autre ? Ça m'arrangerait, mais je vais pas avoir le temps, moi. Dans ce cas, je crois que vous feriez mieux de brûler ce pauvre gars ici. Pour balancer le kyralium dans l'air juste à côté de la ville, ça va pas à la tête. Ça vaut mieux que d'essayer d'atteindre l'incinérateur, en tout cas. Vous savez, je crois qu'on peut y arriver. On a juste besoin de quelqu'un comme vous qui a le Dooms. Ça y est, il est déjà dans les premières phases de la nécrose. Il
Il va falloir faire vite avant qu'il soit trop tard. Alors, vous êtes partant? On peut compter sur vous? Vous êtes officiellement lié par contrat à Bridges, Sam Porter. C'est Sam. Appelez-moi Sam. Et je peux pas repérer les échoués. Juste les sentir. C'est pour ça que je suis venu avec ça. Un brise-broyeur. Avec son aide et la vôtre, on devrait pouvoir garder une longueur d'avance sur eux. Faut toujours que ça me mette dans un état pas possible. Ouais, mais vous vous connectez bien à l'autre côté, vous. Ça aussi, c'est flippant. Allez, on y va. C'était tellement différent quand j'étais gamin. L'Amérique, c'était un pays où on pouvait tous aller où ça nous chantait sans se poser de questions. On n'avait pas de messagers, pas besoin. Il y avait des autoroutes, des avions aussi. Putain, c'était même possible d'aller dans d'autres pays. C'est difficile à croire. Mais bon, ça se voit bien que le Death Stranding a absolument tout dévasté. Presque toute notre civilisation a disparu. Quant à ceux qui ont eu l'immense chance de survivre, ils se sont fait avoir par les précipitations. Puis ces horreurs de la grève sont apparues. C'est alors que le monde des vivants s'est intimement mêlé à celui des morts. À partir de ce moment, les gens ont commencé à se planquer dans les villes. Et les messagers comme vous, Sam, ont raflé tous les honneurs. Un arc-en-ciel! Hey, il est encore loin l'incinérateur! Il est prêt à se transformer! Fais chier! Va falloir qu'on passe entre les échoués! Sortez-nous de là! Sam, vous voyez quelque chose? Non. Que non. Ouais. Il marche plus, bébé. C'est pas possible autrement. Thank you.
quoi c'est de là? Oh merde! Sam! Tiens-moi! Et arrête de respirer.
bridges falling down, my fair lady. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui donna naissance à la vie que l'on connaît. Et puis, arriva une autre explosion. Et celle-ci sera la dernière.